Ne me demandez pas ce que je fais ici, j'en sais honnêtement rien. Hey, j'espère que vous allez bien. C'est un retour incroyablement. Je ne sais pas comment le qualifier. C'est pas normal, enfin. Je ne sais pas ce que je fais ici. Et j'ai des cheveux qui font n'importe quoi et oh là là. On va les mettre comme ça. Ouais, c'est bien. Comment vous expliquer? Je sais pas ce qui s'est passé cet été. J'ai eu énormément de changements dans ma vie perso. De toute façon, ça se voit, vous voyez bien que je suis plus dans le même décor qu'avant. Je suis passée au lycée aussi. J'ai rencontré de nouvelles personnes à qui je fais d'énormes bisous. Je vous aime fort, les gars, et mes petites zoulettes préférées. Je vous aime très très fort et plein de grands bisous. Et en fait, bah, ça a été un peu bizarre comme période parce que j'ai. Il y a eu une transition, mais j'ai pas vu la transition, s'il vous plaît. Enfin, si vous voulez, parce que je suis passée de la collégienne à la lycéenne sur un été de 2 mois que je n'ai pas vu passer. Et ça a été sportif. Je vais pas m'éterniser plus que ça, ça sert à rien, j'ai rien à dire et je vais pas parler pour rien dire, j'en ai marre de faire ça. Donc je vais juste vous dire que bah, I'm here, I'm back. Et j'espère vraiment que vous êtes toujours là et que vous êtes prêts pour une nouvelle saison. On va dire une saison parce que je sais pas quand est-ce que j'arrêterai de refaire des vlogs. Enfin, je ne sais pas parce que là je tourne, je sais pas si je vais poster parce que vous comprenez, une fois que j'aurai fait le montage, peut-être que j'aurai pas envie de le poster. Et ça se trouve qu'en fait je vais faire cette vidéo mais après je vais rester 3 mois sans rien faire parce que j'aurai pas d'idée. Je suis la meuf la plus irrégulière de YouTube, d'accord? Mais ça prouve bien une chose, c'est que je fais des vidéos pour mon plaisir. C'est très égoïste, mais je fais des vidéos pour mon plaisir, c'est factuel. Et je ne me force pas et je ne me forcerai jamais à rendre des comptes à des personnes que je ne connais pas et à qui je n'ai rien à. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que je suis là et j'espère qu'on va s'amuser tous ensemble. Et voilà, je sais pas si je vais poster ce vlog là, enfin cette vidéo comme ça. Oui, je me suis fait mal au genou, je ne m'éterniserai pas là-dessus non plus. Il se passe des choses dans ma vie, voilà, vous n'êtes pas au courant de tout. Et voilà, je suis très 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 contente de reprendre les vidéos. C'était un de mes objectifs de cette année. Je vais essayer de meubler un peu en vous disant approximativement ce qui m'a un peu bloquée à refaire des vidéos. En fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'en faisais. Parce que bah, avant, je faisais du gacha et à ce moment-là, j'avais totalement une raison claire dans ma tête. C'était que je voulais faire mes histoires en animé, ce qui a marché. Parce que j'ai réussi à sortir quand même 2 séries en gacha et ça a été des expériences incroyables et franchement j'ai adoré. Mais mes vidéos lifestyle, je sais pas pourquoi est-ce que je les faisais et je sais toujours pas. Mais je sais que j'aime le processus de création et ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc en alliant ces deux points, j'ai réussi à trouver la motivation de refilmer et le fait de me montrer à vous. Bah, par exemple, là, j'ai pas de maquillage, j'ai du mascara sous les yeux, je rentre des cours, j'ai rien à foutre ici, j'ai un haut de traîne, je suis en pyjama pratiquement. Et voilà, et rien n'est fait. Enfin, regardez, ma chambre est en bordel, c'est n'importe quoi. Et j'ai trouvé la motivation de faire ça. Et déjà, je trouve que c'est un immense pas. Quand on sait à quel point je suis perfectionniste et à quel point je prévoyais vraiment mes jours de tournage avant, c'était horrible et j'ai plus envie de me prendre la tête. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant, bah, on va juste faire des vidéos pour kiffer et raconter des trucs chiants de notre vie. Et même si les gens s'en foutent, bah tant pis, moi ça me fait plaisir. Donc j'ai créé mon nouveau pseudo. J'ai créé mon nouveau pseudo Sunny Lee, voilà, parce que sun, soleil, je suis née en juillet, j'aime le soleil, j'aime la mer, voilà. Et Illy parce que Emily, voilà, vous savez très bien. Dans le sens où je vais réussir à montrer ma vraie personnalité à travers ce pseudo. Parce que mine de rien, pour moi c'est très con, mais les pseudos ça change beaucoup. Et j'aurais pas pu recommencer YouTube sans un nouveau pseudo, ça aurait pas été possible.
beaucoup de choses qui ont changé. Si vous avez des questions, bah, rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, j'aurais quand même appelé ma promo, je suis quand même très très douée. Mais sur Instagram, c'est pratique parce que je peux répondre à toutes vos questions et à tous vos DM. Et voilà. Et j'en ai vu qu'il y en avait qui me suivaient et qui me demandaient quand est-ce que je revenais. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. I'm back. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Soyez fiers de qui vous êtes. Et je vous aime fort. Et gros bisous. J'ai oublié une partie dans ce vlog pour vous dire que j'étais plus active sur Twitch maintenant. Donc je fais environ un stream par semaine, enfin j'essaye. Et du coup voilà, si vous voulez me rejoindre, il y a un lien en barre d'infos. Et aussi, je vais passer une petite dédicace à Sam. Voilà, gros bisous, j'ai vu ton dernier post, j'ai adoré. Donc je vous mets son Instagram dans la description. Pour les fans de guitare, les fans de skate, il est extrêmement doué. Et c'est un gars en or, vraiment pépite. Donc voilà, je pose ça là. Et sur ce, bah... bisous.